Et les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Donc moi, je suis parti. On était en 2006. J'étais en rhétorique, je terminais mes études secondaires. J'ai écrit sur l'enfant, les frères Ardennes. Le concours, si je me souviens bien, c'est ma professeure de français, qui était une passionnée de théâtre et d'art en général, et qui nous a donné la formation. J'ai participé 3 ans au concours. Les 2 premières fois, j'étais dans les lauréats, mais pas le premier prix. Genre, ma critique avait été retenue, mais je voulais aller à Cannes absolument. Alors je me suis dit, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Et puis finalement, j'ai été à Cannes. Grande prise de responsabilité, de contact, d'essayer d'évoluer dans un univers qui est relativement codifié. Et ensuite, effectivement, les films, c'était de voir des choses que je n'aurais jamais vues autrement. Là, c'est vraiment le cinéma à tous les étages et à toutes les heures possibles de la journée. Très troublant. Et donc, c'est vrai qu'il y avait l'aspect cinéma qui me branchait bien, mais j'ai toujours été plus attirée par le théâtre, de toute façon. Mais j'avais vraiment très envie de pouvoir voir le monde de Cannes. Le monde de Cannes. Et ça, j'ai vraiment pas été déçue. C'était une expérience très forte. Tout ce monde de l'image, ça m'a fort interpellée, quoi. Aussi, de voir qu'il existe des choses desquelles on n'est pas du tout conscient. Quand on a 18 ans, j'ai l'impression qu'on écrit, on admire, je sais pas, un travelling chez Tarantino, le brio technique, on admire des choses dans le cinéma. Et puis petit à petit, on passe à autre chose et on se met à aimer les films. Et on aime, en fait, ce qu'il y a d'humain chez les metteurs en scène. Ce que je trouve super avec les concours où il faut écrire, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités dans la... pour se motiver, se dire « Ok, j'ai toujours aimé écrire, mais là j'ai envie d'aller au bout d'un truc. » Tu vas voir quelque chose avec vraiment un point de vue plus analytique et plus en essayant un maximum de pouvoir détecter ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. C'est la première critique que j'ai écrite, c'était pour le premier film, Les Barons, et puis après ça m'a lancé à fond, quoi. En même temps, écrire une bonne critique, c'est vraiment pas évident. Enfin, moi, j'ai l'impression que, pour en avoir écrit quelques-unes, du coup, tu peux vite te faire une patte dans ce style journalistique, mais écrire une bonne critique, vraiment une critique où tu amènes autre chose, où toi, tu as même déjà un truc cohérent dans ta critique. Il y a des critiques qui amènent une dimension supplémentaire à l'œuvre, qui ont vraiment un propos en elles-mêmes, qui n'est pas contenu dans le film ou dans la pièce, et ça, c'est quand même... rare, quoi. Bien sûr, moi tous les grands critiques que j'admire sont effectivement ceux qui arrivent à avoir apporté quelque chose en plus, que ce soit Danet, que ce soit Luc Moulet, c'est systématiquement des gens qui arrivent avec un angle complètement différent, humoristique, où la perspective est radicalement changée et où je vois autant le travail de l'humain qui a écrit la critique que de celui qui a réalisé le film. Il y a une autre dimension qui complète ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, on a pas mal changé, mine de rien, depuis 2006, mais on tape le titre d'un film dans Google, ce qui tombe directement, c'est effectivement des tonnes de critiques. Il y a eu tous les blogs, il y a eu tout ça, etc. Le monde est rempli de critiques, c'est la phrase de Truffaut, tout homme a deux métiers, le sien est critique de cinéma.